Donc la cime des géants, j'imagine que c'est genre loin. Et désolé, je sais qu'on est en speedrun, mais je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-dedans, non? Ah, il invoque des loups! Il invoque des loups! Ah ouais! Non mais... Voilà, va le faire! Dégagez les loups! C'est une blague! Mon Windows est pas activé, non mais ça c'est la base. Activer Windows, c'est pour les bourgeois. Où est l'invocateur? Où est l'invocateur? Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Ok, ok. Voilà. Oh. Ah ouais, il y a un samouraï et tout. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Wouah! Wouah! Allez, panic roll. Putain, fils de pute! Sérieux! Mais en plus, c'est un truc super fort, là! Non, ma mimique! Mais quel bêtos! Voilà, 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 le mimique! Classe! Merde. Et voilà! Oh le gros! C'est le gros, la grossophobie, ça y est! Ah ah non! Ok, j'ai grid avec cette potion. Merde! Je suis mort. Putain. Paf, voilà. Donc comme ça j'ai ma mimique pour le deuxième. C'est le gameplay du respect ici. Il est sérieux lui? Attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi cet abus? Non, non. Ah ah. Non, il va rouler. Ah! Putain, mais c'est illisible! Il utilise son bide là! On est sur ce genre de combo infini. Et ouais. Et ouais. Oh, j'ai cru que j'allais le tuer! Non! J'ai plus de popo! S'il te plaît! J'ai plus de popo! Putain dans ta gueule! Oh là là, j'ai failli crever! Me dis pas qu'il y en a un troisième. Non mais. C'est fini quand même! Ah ouais, c'est lui qui a un. Oh là là, c'est lui qui avait invoqué! Ok, à nouveau on voit rien, c'est vraiment super trop bien. Borealis, brume glaciale. Non mais je m'en fous, je vois rien les gars. Vous avez pété un câble. Je vois que Puik. Ben là on le voit. Ça vaut le coup de le battre? Le dragon du lac gelé là. On retourne à Kaelid là avec les adversaires. Les chiens géants là, c'est Kaelid ça. Pourquoi ça revient ici? Je veux pas moi. Et ça c'est les gens du feu là. On est à Kaelid. Pourquoi ils nous remettent les mêmes adversaires qu'on a déjà vu mille fois? Le pic de flamme. Vous voyez, il y a des géants, quoi. Parce que c'est juste un géant, mais... Hey, c'est un géant Yeti. J'ai la flemme, mais stylé. Ah ouais, ils se battent. Autre yimbe. Ah oui, on va provoquer des bagarres. Wouah, c'est stylé. Vas-y, je lui ai amené... Il a trois corbeaux sur le dos, hein. Mais il est super fort, comment il résiste aux corbeaux? C'est quoi, ça? Ah ouais, il y a un géant en plus. Vas-y, va aider ton pote! Vas-y, je provoque des bagarres, moi, j'en ai rien à foutre! Vas-y, viens! Viens aider ton pote! Oh, trop bien! Ah! Wouah, trop bien la bagarre!
Oh, c'est huge! Oh, 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 la bagarre! Incroyable! Oh, ça y est! Deux corbeaux de géants! Ah, mais les géants vont gagner, ils sont beaucoup plus forts! Surtout le mode 3 corbeaux de géants, c'est la mêlée générale, quoi. Oh! Un corbeau vient de s'ajouter à la bagarre! Le retournement de situation! Oh yes, putain, mais j'ai eu le timing. Mais trop bien. Putain, cet endroit est terrifiant. Ah! Ah! Alors, un samurai. Rivière sanglante. Bah, c'est ça, c'est balèze, hein. Voilà, moi aussi, je prends que le sang. Ah! Oh, putain! Le combat d'aveugle. Oh là là, je croyais qu'il allait sauter. Voilà! Rivière sanglante avec gelé du coup! Et le masque d'Okima! Oh! Mais attends, le katana il est super fort non? Avec une grâce différente? Ah! D'accord. Donc lui je pense que c'est le boss de la zone à battre, le géant de feu. Il me semble que c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer? Us! D'accord. Ah ouais, mais j'esquive là. Ah, c'est un sac à PV le truc. Le bon cumulé. Aïe. Oh. Ah. Mais en fait, comme on ne voit rien, c'est très compliqué d'anticiper les coups, non? Vu que le mec il est géant, mais encore plus géant que les géants. Ah! Voilà, phase 2! Ça part! Oh non, il s'est cassé le panard! Ah, je lui ai pété la cheville! Ah ouais, mais j'adore. Mais vraiment, hein, l'automutilation chez les boss d'Elden Ring, c'est un peu un plaisir secret. C'est original. Soyez témoins, c'est mon panard. Putain, et ça c'est le... Comment ça s'appelle encore? Sharingan. C'est quoi ce truc? On doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit se casser? Ah ouais! Oh, il se casse. Ah, je vais taper les mains. Non, je vais pas taper les mains. Je vais taper dans ces petits mollets là. On a vu que c'était fragile déjà. Dans ta gueule! Oh yes! First try! Bon, merci la mimique. Hein. On rush le jeu avec la mimique. Souvenir de géant de feu, d'accord. Oh, l'armure, elle fait nain. Oh! C'est quoi? C'était une calice ou un volcan? Je brûle! Mais ne sois pas aussi serein, frère, tu brûles! Mais il est bête! Ah, ça a résonné dans le monde entier, là. Ah, je suis prêt à cramer l'arbre, c'est ça? Oh! Je suis en train de cramer l'arbre de super loin! Mais attends, mais qui peut m'affronter maintenant? Là, je crame des trucs géants à des kilomètres. Craignez-moi! Oh! Mais... Mort? Fini? Fini le jeu? Succès déverrouillé. Embraser l'arbre monde, d'accord. J'ai fait la quête de Rani, j'ai sauvé le coprophage. J'ai été me faire toucher par les deux doigts là. Oh, c'est quoi cet endroit? Oh, la classe!
On est où là? Cette tornade... Attends, mais franchement, la texture de cette tornade là, c'est quoi le problème? Alors, l'environnement est magnifique, hein. Franchement, c'est incroyable. Mais on voit que... Alors, les créatures volantes, on voit qu'elles sont loin, qu'il faut pas qu'ils ont pas dû faire un rendu de ouf. Mais les tornades, par contre, on est juste à côté. Pourquoi c'est si moche? Par contre, le reste de l'environnement, incroyable, hein. C'est magnifique. Putain, eh, c'est chiant, hein. Et là... Ah putain! Allez, le gangbang! Voilà. Il est temps de respect et de monter rivière de sang. Ouais. Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait plus jamais? Je vais me les faire, hein. Je vais me les faire. Ah ouais, lui il a un autre pattern. En même temps, il a d'autres armes. J'ai failli me prendre ce dernier coup là. Non. Mais non, mais putain! Mais putain, mais c'est quoi ce pattern de fils de pute? Il était putain de mort, quoi! Ah direct hein, direct la mimique hein. J'en ai rien à foutre. Ils sont deux hein. Ils sont deux donc c'est sûr je mets la mimique hein. Attends mais ma mimique l'a buté. Ah ouais mais ma mimique est 10 fois plus forte que moi. Ah mais il y a encore quelque chose genre ils vont fusionner derrière. Ils vont fusionner ou un truc comme ça derrière. Vu le nombre de vies qui reste. Ah ouais, c'est pas fini hein. Ah mais il revient en fait. Ah ouais, avec le proc là. Ok. Et du coup, le gros va revenir. Ah, il est là. Voilà. Bon. Il m'expliquait que son esprit avait switché. Qu'aujourd'hui, pour lui, Elden Ring, c'est un jeu de merde. Et que c'était entièrement dû aux zones optionnelles que je n'ai pas encore faites. Et donc je lui demandais, est-ce que c'est la fameuse zone dans laquelle on trouve Malenia, qui paraît-il est l'un des boss les plus stylés du jeu. Il me disait oui, il la fait pas. Mon objectif là, c'est finir le jeu. Hein, après le reste, j'ai pas mal exploré, mais j'avoue que trop long en fait. On demande plus à un jeu de faire 300 heures. C'est quelque chose qui était bien à l'époque de la PS2 et tout parce que quand t'achetais ton jeu, tu voulais en avoir pour ton argent. Mais aujourd'hui On a plus ce genre de patience. Le jeu, il est trop long, quoi, qu'on se le dise, c'est pas nécessaire. Ils auraient pu raccourcir le jeu en skippant une ou deux zones. Ah, je peux sauter là? Imagine. Ah! D'accord. On peut pas invoquer. C'est un dragon géant qui crache des éclairs. Ah, il est mort? Ah oui, il a pas beaucoup de PV, en fait. Ah, ouais, je peux améliorer le katana! Je peux améliorer Rivière Sanglante. Là, il y a un gros. Ah, mais il est plus gros que les autres, lui. Et il vole. Ah, lui, il va être fort. Ah, mais c'est recyclage du premier boss, là, en fait. Je vais peut-être devoir arrêter le live. Pour aller chercher le petit à l'école, tout ça, tout ça. Donc. Putain, fils de pute. Putain, le fils de pute. Bon, voilà, pardon.
Ah si si, non, par contre je vais continuer les streams, hein. J'ai investi, j'ai deux lights, j'ai trois écrans, j'ai investi, j'ai le micro et tout. J'ai investi beaucoup de temps aussi pour que la chaîne soit un peu marrante, donc juste les trucs, je sais pas si je vous avais montré ça. Si quelqu'un raid, normalement maintenant, ça fait ça. On va le lancer ou pas? On se fait raid. C'est complètement inutile, hein. C'est complètement inutile. Mais voilà, donc je me suis fait chier à faire des trucs comme ça. Je vais pas arrêter les lives. Je vais pas arrêter les lives du coup. Voilà, c'était petit retour sur le streaming. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, hein.